achète. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec notre invitée ce matin, Florence Foresti. Alors bonjour à tous, beaucoup de mails encore cette semaine, surtout à propos du titre de l'émission. Jean de Versailles nous écrit, il y a 15 jours l'émission s'appelait « Moi, Julie, droguée, prostituée et fière de l'être ». La semaine dernière, l'émission s'appelait « Laurent Baffy, un sale con ». J'imagine que cette semaine, ça va s'appeler « Julie, une grosse pute ». Et que dimanche prochain, le titre va être « Ce bâtard de Baffy, l'année des enculés ». Je n'ose à peine imaginer le titre de l'émission suivante. Pourquoi ne pas revenir à de meilleurs sentiments? Cela vous épargnerait une escalade verbale indigne d'une grande station comme Europe 1 et tout le monde en sortirait grandi. Jean, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler l'émission cette semaine « Arrêtez tout, ça va trop loin ». Bon, d'accord. Arrêtez tout, ça va trop loin. Jusqu'à midi. Qu'est-ce que tu penses de cette émission, Florence, que tu écoutes chaque semaine? Chaque semaine. Écoute, je ne peux pas passer un dimanche sans. Quel est le titre que tu as préféré? Oh, écoute, c'est « On s'ennuie sans Foresti ». Tu te souviens? Oui, c'était pour le pilote. C'était une très bonne émission. Donc, tu connais le principe du Mr. Chatch? Pas du tout. Alors, je t'explique. Nous avons deux candidats en lice qui vont jouer pour un filet garni. Dans ce filet garni, il y aura deux de tes DVD. Le Best of Florence T in New York. Ouais. Hein, ouais, le fameux. Carnegie Hall. Il y aura le Bourgeois Gentilhomme de Jean-Marie Bigard, le coffret du Soldat Rose, deux places pour aller voir la dernière pièce de Woody Allen, plus deux places pour aller voir Hugo Frey. Eh oui, quand ça veut pas sourire. Hein. Oh, il est génial. Il est génial. Il sera là tout à l'heure. Donc, on a deux candidats en lice. D'un côté, on a Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Présente-toi. Donc je m'appelle Hugo, je fais un cours d'art dramatique, le cours Jean-Pierre Imoni. D'accord. Et donc je vais vous lire ce matin Sigmund Freud, l'introduction à la psychanalyse. Ah. Fais un essai Hugo. J'ignore combien d'entre vous connaissent la psychanalyse par leur lecture ou par ouï-dire. Mais le titre même de ces leçons... C'est les aventures de Woody. Hein. Je t'arrête pas Hugo, c'est parti pendant une heure. D'obligation. Non. Batia. Oui. Batia, quel est ton prénom? Batia, c'est bonjour. Bonjour, c'est de quelle origine? Israël. Ah, on ne prend pas les étrangers, au revoir. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Batia? Alors moi, je vais vous lire Le Club des Cinq, et gagne. Ah, c'est bien plus intellectuel. Oh, oui. Fais un essai, Batia. Annie essaye de venir à bout d'une montagne de devoirs lorsque Claude fait irruption dans la salle d'études. Malgré ses cheveux aux boucles coupées courtes. Généralement, lorsque nous soumettons un malade Hugo, à une technique... Hugo, il faut te sentir les doigts du cul. Pour l'instant, c'est très très mou. Et il y a un très beau cadeau à gagner. Je vais rajouter un téléphone chocolate. Vrai un téléphone LG. Un LG ouais. Alors, diminuer à ses yeux les inconvénients. Ah, là, et lui donner toutes les Maître Renard par l'odeur. Il est léger. Je vais aller s'installer sur mon île pour y travailler. Et en plus, il a l'enfant... Elle a un texte plus guiré, quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Oui, elle a un texte plus guéri. Florence Foresti, bonjour. Alors pourquoi ce nom ridicule? J'ai envie de te dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu es sortie très très vite. Tu n'as pas beaucoup ramé. On t'a vu il y a quelques années à peine dans une dôme infâme, un truc sans nom qui s'appelait Berne Academy. Plus nul, tu meurs. Oh non. Et c'était de la merde en branche. C'était bien sur Canal. C'était voilà. Drôle. Miss Bullshot 2007. Mais la Berne Academy, elle était drôle grâce à Florence essentiellement. Et ses petites copines aussi quand même. Elles étaient bien. Mais c'est dommage qu'on soit en direct parce que j'aurais coupé ça en montage. Qu'il en soit, c'était nul à chier. Et malgré ce départ très très dur dans la vie, tu as fait une carrière fulgurante, puisque tu es passé de merde noire à comique préféré des Français en même pas 3 ans. Et... tout est arrivé, le succès, les enfants, les chiens, l'argent, la drogue, les putes. Ouais, bien sûr. Et comment tu vis ce succès alors, Florence? Est-ce que c'est pas un peu trop pour un petit bout de bonne femme, un ridicule à la base? Ben oui, t'as vu. Et puis elle le restera. C'est trop si on décide que c'est trop, puis c'est pas trop si on tient tout ça à distance. Dans l'enseignement de la médecine, vous êtes habitué à voir. Vous voyez la préparation anatomique. Hugo, tu as déjà un téléphone. Le précipité qui se forme à la suite d'une réaction. T'as pas besoin d'un chocolat, ça se sent. Les plus jeunes de ses trois cousins ont inscrit le cinquième nom. Mathieu est motivé. Il a fondé ce groupe lors de la première grande aventure qu'à l'essence qu'on connut pas mal de péripéties. Écoute, il y a un message aussi dans le club des cinq. Ils sont bien décidés à poursuivre dans cette voie. De toute façon, avec Dagobert comme garde du corps, les quatre enfants. Mais oui, Dagobert, on a tous lu ça étant enfant. Emeline, bonjour. Emeline. Emeline, tu veux lâcher ton partenaire pour te consacrer à nous 5 minutes? Oui. Bon, on va laisser Emeline en plein rapport sexuel. Manuel, oui. Tu peux parler? Bien sûr. On t'écoute, Manuel. Bonjour, quelle est ta question?
Alors je vous ai demandé à Florence si on lui avait déjà proposé de faire un film avec ses personnages. Alors voilà Manuel, ça c'est la question type, la question con, la question déjà posée mille fois, la question qui n'intéresse personne. On ne l'a jamais posée, je te signale. On t'embrasse Manuel, on t'offre deux places de théâtre pour ta médiocrité en espérant que personne ne fasse mieux. Un gros bisou à Florence que j'adore. Je t'embrasse. D'accord. Sur la bouche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On peut pas se permettre d'avoir des questions aussi bateaux parce que comme ça. Tu veux. Pour l'émission, c'est pas très bon. Hein. Emmanuel. Oui. Bonjour Emmanuel. Tu as toujours ton fauteuil en rotin? Toujours. Ouais. Je pars jamais. On t'écoute. Bon, alors, je vais savoir si il arrive à Florence Foresti maintenant qu'elle était plus à Paris de regretter la province. Alors. Ah. Enfin donc, non, c'est une épidémie. Pourquoi je ne valide pas la question que je trouve con, inepte et inintéressante. Donc, non, ce que je propose, on t'embrasse, Emmanuel, on t'envoie deux places au théâtre. Non, ce que je propose, on va annuler cette émission. Ouais, c'est une fausse bonne idée. Les gens ne sont pas prêts. Nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts. Donc, on va tout arrêter. Hein, et on va te demander de rentrer chez toi, Florence. On t'embrasse. Il est 11h05, c'est dommage. Hein, c'était bien commencé. C'est bête, moi, je voulais les réponses à ces questions. Ben, moi, je voulais des bonnes questions. On va... Elles étaient très bien, leurs questions. Mais oui. Entre nous, aucun journaliste pose ce genre de questions. Je suis désolée. Tu veux que je te dise les questions des journalistes? C'est toujours pareil. Alors, c'est quoi, vas-y. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? On l'a. Tiens, voilà. Bah voilà, Daniel. Daniel, on vient de te griller ta question. Ah bon? Ouais, oui. J'imagine que tu voulais lui demander où est-ce qu'elle trouve son inspiration. Bonjour, Laurent. Ah, voilà, c'est les conventions. C'est bon. Bonjour, c'est comment ça va? C'est bon dimanche, ok, bah si tu veux jouer à ça, allons-y. C'est Daniel de la poterie. Chacun son nom, chacun son handicap, Daniel, on t'écoute. Voilà, bonjour Julie, bonjour Florence. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc, je voulais... Bah doucement, va à ton rythme, Daniel. Hein. Comment? Va pas te claquer un muscle, hein, parce que... D'accord, d'accord. Bah, tu me dis quand je peux y aller, hein. Bah écoute, on va voter. Oui. Qui est d'accord pour que Daniel y aille maintenant? Oh, moi, je suis d'accord. Qui n'est pas d'accord? Vas-y, Daniel. C'est parti, top. Oui, moi, je voulais savoir ce que Florence va faire le 15 mars 2009 ah, bah, à voilà. 15h08. Bah ça, c'est une question, bravo. Voilà. Voilà. Daniel, je t'offre 250 places de théâtre. Oh, super, bien. Je change ma fille. T'en veux une autre? Non, je change ma fille le 15 mars 2009. Oui, je garde cette question. Tu la changes combien de fois par jour, ta fille? Je la change, j'ai envie de dire, toutes les deux heures. Boris. Oui, bonjour. Bonjour, Boris. C'est Laurent, là? Non, non, c'est Jean-Michel Meunier, connard. Ah, que fais-tu en ce dimanche matin, Boris? Je suis étudiant en médecine, alors je pars pour la bibliothèque, là. Le dimanche? Bah oui. Tes parents écoutent? Ah d'accord. D'accord, j'ai compris. Quelle est ta question? Je voulais savoir ce que Florence pensait de la loi sur les chiens dangereux. Ah, bonne question. J'ai reçu un truc. C'est une bonne question. Je t'offre deux places de théâtre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un permis du bon maître. C'est très bien. Parce que je pense qu'en effet, tout est dans le maître. Hein. Donc voilà. Tu vois, on peut avoir une bonne question et une réponse lamentable, Boris. Comme quoi, il n'y a pas de règle, on t'embrasse. François, le maître est à l'eau. Bonjour. Bonjour, François. Bonjour, Laurent. Bonjour, Florence. Bon goût. François. Oui. Qui est à côté de toi? Tu as des enfants? Ouais, c'est mes enfants, ouais. Ils ont quel âge? Alors, il y a Marius qui a 6 ans, il y a Antonin qui a 4 ans, il y a Honoré qui a 5 mois. Mais tu leur donnes des prénoms expérimentaux? C'est des prénoms d'empereur romain. Tu travailles dans un laboratoire? Passe-moi, Marius, 6 ans. Marius, tu parles dans le téléphone. Ouais. Marius, bonjour. Allô? Bonjour, c'est tonton Lolo. Oh. Ça va, Marius? Oui. Dis-moi, Marius, pipi, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Non, c'est très bien. Oh, mais va pas lui... Marius, c'est caca, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Et qu'est-ce que t'as commandé au Père Noël, Marius? Une moto. Une moto? Mais il n'existe pas, le Père Noël. Mais t'as quand même commandé la moto, alors, faudrait savoir. Bon, on te fait des gros bisous et on t'envoie un avion. Pardon? Télécommandé. Télécommandé. Uh-huh. Et une poupée gonflable. Tu la prêteras à papa. On te fait des gros bisous, Marius. Tu me passes papa? Si, il faut que je te parle. Tu sais, c'est pas... Passe-moi papa. Merci, au revoir, mais je veux aussi une moto. Oui, d'accord, mais il faut dire... D'accord, mais il faut me dire merci Père Noël, alors. Merci pas mal, il faut que je merci Père Noël. Mais François, vous faites quoi avec... Une voiture télécommandée. D'accord, notez... Doucement. C'est à moi que tu parles, toi? Allô? François?
j'entends plus rien. Oui, allô. Qu'est-ce que vous faites avec l'éducation de vos enfants? Je ne fais aucune éducation, il s'élève tout seul. Mais oui, mais c'est dommage qu'il ne croit plus au Père Noël à 4 ans. Ben non, mais ça donne de bons résultats, parce que, vous voyez, ils sont très équilibrés. Mais c'est dommage, moi je trouve que ça leur retire quelque chose, on en parlera avec notre psychologue tout à l'heure. Je crois que vous êtes un mauvais père, on va vous envoyer la DAS, François. Alain Rey, parlez-nous de l'origine du nom Forestier. Eh ben Forestier, on l'a déjà dit. Au revoir Alain Rey. C'est la forme italienne de forêt, hein, bon, qui vient du latin. Et ce qu'il y a d'intéressant avec forêt, c'est que ça désigne pas un bois, ça désigne pas une forêt. À l'origine, c'est par exemple le mot italien forestiero, ça veut dire qui habite hors de la commune, c'est foris, hein. C'était la porte du forum. Et à l'extérieur, il y a tout ce qui se passe, et notamment les forêts et les bois. Alors donc, la forêt, ça se disait silva, et la silva forestis, en latin, c'est la forêt qui est hors de la commune, alors qu'il y a les bois communaux à l'intérieur. C'est ça la différence des deux. Donc voilà, il y a plein de noms propres qui s'appellent en France la forêt, forêt, forestier, forestal. Et la tante Yvonne Vandroux, la femme de Général de Gaulle, était une demoiselle forêt. Voilà, vous vous rendez compte, hein, c'est quand même... C'est pas rien. Et en plus, vous avez eu la chance d'ajouter à ce nom historique le latin Florentia, qui veut dire la florissante, celle qui fleurit. Donc, c'est pas mal, quand même. Pour justifier son aversion. C'est ainsi que la société transforme le désagréable en injuste. Combat les vérités de la psychanalyse. Il nous aurait aperçu tout de suite et il nous aurait entendu aussi, enfin. Allons-y voir quand même. Il retourne donc au château et s'approche de la drôle de tour. Tant Cécile les appelle. Votre déjeuner, alors là, prêt, venez manger. Batia qui lit le Club des Cinq, elle a un texte quand même, hein, qui la porte. Hein. Ah oui. Et Hugo, c'était l'introduction à la psychanalyse de Freud. C'est un peu plus dur. Florence, tu t'es fait connaître aussi avec tes personnages chez Laurent Ruquier. Je voudrais poser une question à Brigitte. Est-ce qu'elle est là, Brigitte? Bien sûr. Alors Brigitte, on te dit écervelée, oui. On te dit un peu fofolle, on te dit futile. Est-ce que les gens profitent de ton manque de neurones? Enfin, ma question est un peu directe. Brigitte, est-ce que tu couches le premier soir? Jamais. Parce que c'est un principe de base. Donc ce que je fais, c'est que quand on m'invite le premier soir, j'annule. Et je viens le lendemain, comme ça je peux coucher le deuxième soir. Voilà, sans coucher le premier soir. Anne-Sophie de la Coquillette. Oh, enfin, un personnage rigolo, grand Dieu. Pour vous, il est 11h10. Tout à fait. Vous sortez de la messe, on va... Je sors de la messe, bien sûr, absolument. C'était formidable, on a dansé comme des fifrelins, on s'est éclatés. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Des scoops? Oh, écoutez, non, c'est pas très changeant. Hein. Non, y a c'était pas comme de... dimanche dernier, mais en plus rock. On a dansé, quoi, voilà. Est-ce que vous trouvez pas qu'en ce moment, c'est la gabegie? Tout va à volo. Et j'ai envie de dire, c'est la porte ouverte. Ah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, la vulgarité, au stupre, à la luxure. Vous faisiez partie de la brigade des stupres à une époque? Oui, absolument. Je lutte contre tout ça. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer la société? Quel serait le remède? Je pense déjà qu'éradiquer Laurent Baffy serait une bonne chose. Dans tout le pays. Et là, on pourrait espérer remonter le niveau, bien sûr. Michel Dezel. Dezel, bien sûr, sinon Dezel. Ça ne marche pas. Oui. Alors, c'est une garçonne. Garagiste, ce n'est pas le personnage que tu préfères. Tu le fais assez mal, d'ailleurs. C'est pas faux, ouais. Alors, non, Michel, je ne vais pas t'emmerder longtemps. Non, je préfère pas, oui. Bon, bientôt, c'est l'apéro. Je voudrais juste savoir pour toi, quelle est la meilleure bagnole en ce moment sur le marché? Ah ben là, sans hésitation, ce serait la... Bah ça reste la Fuego, quoi. Ça a toujours été la Fuego. On t'a vu un Ford Escort, ouais, Michel. C'était un prêt, une location? C'était un prêt quand j'avais pété là, avec le joint de culasse de la Fuego. On m'avait prêté une escorte. Tu n'es pas très 4x4? Ah non, les 4x4, c'est pour y péter, ça. Ouais. Ladies Booba. Quel âge as-tu? Ladies Booba, là, ce que tu veux, j'en ai un foot. Tu viens des cités? Bien sûr. La cité, hein. La cité. Laquelle? Les maillettes. Je suis une maillette. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cave en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans ma cave? Ta bagnole. T'es censé. On a un nouveau titre aujourd'hui. Arrêtez tout, ça va trop loin avec Laurent Baffy. Notre invité aujourd'hui, Florence Foresti. Un petit mot du répondeur si vous voulez nous joindre, participer à l'émission, être candidat 01 42 32 11 11. Salut Jérôme. Salut à tous. Tu as une question pour Florence Foresti? Ouais, j'ai une question pour Florence. Bonjour.
Bonjour, ça va? Bonjour. Oui, très bien. Salut, j'aurais Jérôme. J'aurais pu savoir s'il y avait eu des suites, en fait, à ta rencontre avec Rocco Siffredi chez Koé. Bien sûr, on s'est revus tous les samedis à 19h. Non, il n'y a pas eu de suite. Oh là là, bah, je crois que la suite, elle s'appelle Tony et qu'elle c'était... a... c'était horrible. Elle a quel âge, la Non, non, mais le mec est un malade, hein. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une maladie. La bite, la botte? Non, non, pas. Moi, c'était amusant, mais il a une folie, quoi. Il a une vraie folie sexuelle. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être sur le coup, Sandrine. Quelle est ta question? Je voudrais demander, ben, bonjour à Florence. Bonjour. Je voudrais savoir combien vous avez pris de kilos pendant votre grossesse. Combien quoi? Combien tu as pris de kilos pendant ta grossesse? Ah, j'ai pris 16 kilos. C'est pas beaucoup? Si, c'est beaucoup. Non. Bon, bah dis-le, parce que tu vois, les médecins, ils disent toujours un kilo par mois, mon cul. Non, c'est pas beaucoup. C'est impossible. Aucune femme prend que 9 kilos. Il y a des femmes qui prennent 30 kilos. Ouais. Et pourquoi cette question, Sandrine? C'est une question très féminine que les hommes ne posent pas aux femmes en général. C'est pour ça que je me suis permise de la poser. Et toi, tu as des enfants, Sandrine? Non, j'en ai pas du tout, mais comme j'ai à peu près la même morphologie que Florence Foresti, je me suis dit que... Elle se renseigne. Je voulais me renseigner. Pour le tu as quel âge? J'ai 27 ans. Bon, on va t'envoyer deux éprouvettes. Et comme ça, tu pourras constater toute seule combien tu vas prendre de kilos. On grossit beaucoup, alors. C'est très déprimant merci au début. Beaucoup. Ah d'accord, merci, au revoir. C'est fou comme on peut aller dans la profondeur. Sandrine, reste. Elle veut aller dans la profondeur avec toi, reste. Écoute. Allez là. Au revoir, Sandrine. Reste, Sandrine. Quel con. Tu as un petit copain en ce moment? Non. Pourquoi tu n'as pas de petit copain? Parce qu'ils ne sont pas très très sains à ce stage-là. Tu es resté combien de temps avec un mec? Oh, plusieurs années. Combien d'années? 6. Et pourquoi ça a cassé? Parce que je suis trop lâche. Peut-être c'est pas de la lâcheté, hein, c'est simplement ou de l'ennui ou du dépit. Non, mais ou... peut-être la peur de la routine, alors c'est peut-être pas de la lâcheté. Voilà. Sandrine, pardon de m'immiscer, mais cette peur de la routine, tu l'auras avec tous les mecs? Bah justement, c'est bien là mon problème. Alors c'est quoi la solution, Evelyne? Eh ben, tu as une solution à me proposer, je t'écoute. Bah, je vois le suicide qui est bien. Il faut savoir pimenter sa relation. Il faut savoir mettre un peu d'exotisme, de la surprise, de l'inattendu. Mmh. Varier un peu les plaisirs. Et les positions. Et les positions, pourquoi pas. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ça fait tout ça. 140 euros, tu as du liquide? Je peux payer par carte bleue? Ah non, pas chez les psys. Non, pas chez les psys. On t'envoie deux places de théâtre et un mec gonflable. Ouais. On t'embrasse. Salut, bonne émission. Pourquoi il est important de payer en liquide chez les psys? Bah pour les impôts. Non mais franchement, en dehors de ça, c'est un acte, c'est symbolique pour le patient. Parce que c'est un acte d'engagement qui est encore plus fort que le chèque. Le chèque est moins représentatif de l'argent, de l'échange que l'on peut donner de son travail, de soi-même, enfin de ce qui coûte. On s'engage avec du liquide. Le fait de le toucher, déjà le liquide, donne une autre sensation que de le donner par chèque. À propos de ce qui coûte, toi maintenant en tant que vedette, tu ne payes plus rien. C'est vrai qu'il y a une aberration là-dessus, c'est que plus on gagne d'argent, plus on nous offre des choses. C'est très gênant, alors moi je les réoffre. Derrière. C'est gentil, mais il y a des choses que tu gardes. On t'a offert des portables. Peu. Et quand on ne te les offre pas, je sais par Weedir, qui est un copain à moi, Weedir, que tu envoies ton assistant pour négocier des prix. C'est pas vrai. Si. Bonjour messieurs. Bonjour. Je viens vous acheter un portable. Le top, hein, vraiment le top. En fait, c'est pas pour moi, je suis l'assistant de Florence Foresti, c'est pour elle. Ah. Elle veut 50% aussi, hein, par contre, hein, sur le portable. Non, mais ça, on verra après, mais en dehors de ça, elle veut quoi? 50%. Non, mais comme type de portable, elle veut quoi? Le elle top. Elle a une marque préférée, elle quoi? Ah non, elle s'en fout, du moment que c'est le top et que c'est à 50%. Mais on peut pas vendre un portable à 50%, monsieur. Non, mais attends. Vous voulez quoi? Nous, on a. On 50% sur le prix. Non, non mais c'est pour. Florence Foresti, la. L'humoriste, comme on dit. Il y a le Samsung qui est bien, mais. Non, elle n'aime pas. D'accord. Je trouve que c'est de la merde, hein, pour vous dire clairement. Bon, laisse 50% sur le prix. Ouais. Non, mais c'est pas parce que c'est Florence... Bah si, quand même. Bon, écoutez, nous, on n'a pas... Écoutez, je suis désolé, on n'a pas trop de temps à perdre. Quand même. Bon, soyez paradins, sur ce coup-là, c'est Florence Foresti, quoi. Oui, vous n'avez pas la télé, quoi. C'est le monde à l'envers. Je demande 50% pour perdre l'argent, c'est pas on perd de l'argent et on perd du temps. Donc, on est désolé, vous êtes gentil. Florence Foresti, moi, je suis désolé, elle peut venir, mais on n'y fera pas 50%, ok? Combien? Qu'elle vienne, elle, directement, on y fera 5% si elle veut bien. 5%? Qu'elle vienne directement. Mais on va pas lui faire 50%. Bah, il y en a pour jusqu'à ce que... Bah, je suis désolé, monsieur, mais vous sortez maintenant. C'est fini, vous sortez. Voilà. Bon, bah, je vais y aller. Aucun regret. Non, pas de regret. Comme quoi, la notoriété n'achète pas tout. C'est alors... chiant, hein. Non, mais... moi, je me bats toute la journée pour avoir une bonne réputation. C'est fou, les artistes. Hein. Vous ne supportez pas la mauvaise réputation. Alors, ouais, Florence... bah parce qu'on veut être aimé tout le mais temps. Mais oui, d'accord. Mais ce que j'ai oublié de te dire en début d'émission, c'est qu'on a tout fait pour te griller. C'est-à-dire, toute l'énergie que tu as dépensée pour avoir une bonne image, on va la ruiner en moins d'une heure. Parce que ça. Non, mais tu plaisantes, c'est le début, ça. Ah. On va te retirer la garde de ton gosse. On va te couper l'eau, le gaz et l'électricité. C'est la fin du succès, du triomphe et de l'argent facile. C'est le début des emmerdes. D'accord. À propos, on fait rentrer Hugo Frey. Tiens. Bravo!
et Alain Bougrain-Dubourg. Bon, hein. Hugo Frey est ton chanteur préféré. Bah, j'aime et bien. Et c'est ta première surprise. C'est gentil ça. Et ce n'est pas bonsoir. Et Alain Bougrain-Dubourg, qui sort des accords de Grenelle, va nous parler un petit peu de zoologie et d'écologie. Hugo Frey, tu es toujours aussi beau. Tu as maintenant 122 ans. 122 et demi. Rappelons que tu te couches dans le congélateur, donc ça te donne une longévité. Voilà, exactement. Je fais comme les joueurs de rugby, je me mets dans la glace tous les matins. Alain Bougrain-Dubourg, bonjour. Pourquoi un nom aussi ridicule? C'est un héritage que je revendique. Je vis très bien avec depuis près de 60 ans. Bonjour Anna. Bonjour. Quelle est ta question pour Florence? Alors voilà, j'ai lu quelque part que Florence, tu avais eu des crises d'angoisse. Alors je voudrais savoir si tu en as encore. Et celle-là, tu la laisses de question bizarrement. Non, mais je l'ai dans mes fiches. Tu les coupes toutes. Tu es angoissée. En ce moment, j'en ai pas parce que je me soigne, mais j'en aurai toute ma vie. Tu es sous tranquillisant, sous antidépresseur. Oui, c'est vrai en plus. Pourquoi ces crises d'angoisse? Tu as pas eu Qu'est-ce que j'en sais? Non, si mais j'en aurais plus. Si tout vient, tout remonte à l'enfance. Tu n'as pas eu une enfance facile. Regarde, Lolo, tu s'improvises. Psychologue non, à 3 francs. Mais attends. J'ai eu tes parents maintenant. Au téléphone. J'ai eu tes frères, tes sœurs. Je n'ai pas de frères. Mais je les ai eu quand même. Parce que c'est ça peut-être tout le problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Non, rien de particulier. Alors, c'était quoi ta principale angoisse? Mourir. Ouais. Comme tout le monde, en fait. Ah bon? Et maintenant, ça s'est atténué un petit peu? Pas du tout. D'accord. Alors, moi, personnellement, non, je suis content que tu parles de ça parce que moi, je suis contre la mort et je tiens à vous dire qu'il y aura une manifestation à la Bastille qui ira jusqu'à la République pour défiler, pour dire non à la mort. Non, et je pense que si on est beaucoup, eh ben, on peut faire fléchir. On peut avancer. On peut niquer la faucheuse. Ouais. Donc, on va faire. Levez la main les gens qui sont contre la mort. Bah oui, évidemment. Non, mais je crois que si on se met. Je suis plus pour. Tu es pour? Et pourtant, tu prouves le contraire. C'est Hugo Frey qui parle. Non mais il faut bien laisser la place. La place est limitée sur la Terre. C'est toi qui dis ça, Hugues? Oui. Ça fait 102 ans que tu chantes. Nos enfants, oui, je sais. Mais je n'arrête pas de penser qu'il faut un jour céder la place après avoir fait son travail. Proprement, laisser la place plus propre qu'on ne l'avait trouvée en entrant. Comme les toilettes. Exactement. Non, mais tu as raison. C'est ma devise. Prière de laisser la planète aussi propre que vous l'avez trouvée en entrant. Plus propre. Là, il vaut mieux la ranger un peu quand même, parce qu'on l'a assez salopé. Voilà, ces derniers temps. Voilà, tu as tout à fait raison. Mais c'est assez joli ce qu'il dit, Hugues. Disons un mot sur le Grenelle de l'environnement. On en est où? Ça avance? Ça donne quoi? C'est positif? Ça avance, les gens se parlent. C'est un vrai défi. C'est un forum ouvert. C'est un forum, oui, c'est un débat. C'est-à-dire qu'on a près de 1000 pages de réflexion sur des mesures qui vont porter sur notre mode de vie, c'est l'environnement et la santé, c'est l'agriculture, c'est la biodiversité, c'est le réchauffement de la planète, etc. Et si je devais résumer, il y a une très jolie phrase de Karen Blixen dans Out of Africa qui dit à un moment « Peut-être que la Terre est ronde pour que nous n'ayons pas à voir trop loin notre chemin. » Eh bien aujourd'hui, on vit tout le contraire, on a un devoir de lucidité, il faut qu'on voit très loin le chemin pour que le voyage soit durable. Et c'est dans ce sens qu'on s'engage pour finalement peut-être perdre un peu de confort, mais gagner du mieux-être, et notamment pour les générations. De toute façon, il va y avoir une réforme des mentalités, des comportements. Il y a le feu dans la maison, c'est très très chaud. On pensait que les problèmes arriveraient dans 50 ou 100 ans, ils seront là dans 5 ou 10 ans, si ce n'est 2 ou 3. Ouais. C'est quoi le premier problème de l'humanité aujourd'hui? C'est la surpopulation? C'est la manière de consommer. Quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est scandaleux. La planète est trop petite, si on se connaît tous. Comme nous, alors un Africain, c'est 50 planètes. Litres. Un Français, c'est 150 litres. Un Américain, c'est 250 litres. Est-ce que c'est raisonnable? La réponse, oui. Quand on dit couper le robinet quand vous lavez les dents, bon, c'est très bien, mais ça fait plaisir aux enfants, c'est un peu une éducation civique. En vérité, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est l'agriculture intensive qui nous pompe toutes les ressources en eau. C'est ça, on culpabilise énormément, mais Florence, quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire, adhérer à une association de protection de la nature. Voilà, c'est clair au moins. Par solidarité, pour être éclairé, il y a des gens remarquables en France. Allez-y, on est tout seul. Voilà. On est trop seul. Florent, que fais-tu pour la flore? Oui, nous aussi, on trie les déchets, j'ai des panneaux solaires pour chauffer l'eau. Tu as quel âge, Florent? 16 ans. Tu as des panneaux solaires à 16 ans? Non, bah, dans ma maison, quoi. Ah oui, dans ta maison. Oui. Pourquoi tes parents t'ont prénommé Florent? Ça, j'en sais rien, faudra leur demander. Ils sont à côté de toi? Oui, il y a ma mère qui est là. Comment elle s'appelle? Corinne. Tu me l'as pas assez, s'il te plaît? Oui, bien merci. Sûr. Allô? Corinne? Oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah oui? Alors pourquoi ce prénom ridicule? Comment ça ridicule? Non, il est très joli, mais les prénoms composés, c'est original, c'est... Non, il les prénoms composés sont durs, Flore, Anne. Sont durs à porter. Moi, j'ai des amis qui ont adopté un petit cambodgien, ils lui ont donné un prénom composé, Pierre, je sais plus quoi. Ben, le gamin, c'est très dur pour lui à l'école. Ah bon? Ouais, ben, elle aussi Pierre Import, ils l'ont appelé. Pas...
jusqu'à midi. Laurent Baffi, l'émission s'appelle Arrêtez tous, ça va trop loin. Nos invités, Florence Foresti, Hugo Frey, Alain Bougrain-Dubourg. Allô, invité mystère. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un garçon. Oui. Célèbre. Extrêmement célèbre. Et tu t'appelles Bruce Willis, bravo. Que je voulais dire alors, on carrière internationale. Ah, carrière internationale, on se connaît bien alors. On s'est rencontrés à Hollywood sur les hauteurs de Bel Air. Non, allez, franchement. Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Non. Est-ce qu'on était à l'école ensemble? Non. Est-ce qu'on a couché ensemble? Non. On est déçus. Tu es un artiste? Oui. Comédien? Oui. Est-ce que tu as joué au Casino de Paris? Oui. C'est François-Xavier? Elle a trouvé. Oui. Je suis trop forte. Vas-y. Alors, François-Xavier de Maison. Xavier de Maison. Bravo. Oui. Le futur Coluche. Humoriste. Oui, alors il m'a épaté, hein. Je vais pas avoir beaucoup de spectacles, mais alors lui, formidable. Il tue. Hein. Et moi, ce que j'adore chez François-Xavier, c'est ses bandes annonces américaines. Oh, tu nous en fais une, là? American Picture Film presents Laurent Baffy, Academy Award winner Florence Foresti, in the amazing story of a girl wanted to change his life. Coming soon. C'est now, ça, hein. By now. François-Xavier, tu viendras dans l'émission, tu nous les feras en direct, tu nous raconteras ta vie, pourquoi tu as quitté l'Amérique à 11 septembre pour devenir comique, alors que tu étais... C'est vrai. Écoute, on t'embrasse et elle t'a trouvé aussi, relativement rapidement et on te donne rendez-vous dans l'émission. Il est très fort et voilà, le 11 septembre, on fait un truc bien. À bientôt. C'est Valentin. Juste une petite question un peu plus personnelle. J'ai vu qu'en CM2, tu avais incarné Cyrano à la pièce théâtrale de l'école et apparemment, c'était un bide. Juste, est-ce que tu t'en es remis? Peut-être pas, c'est peut-être ça qui m'a poussé à monter sur scène pour faire ce que je fais aujourd'hui. Non, c'était horrible. Valentin, on t'envoie des places. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Tu m'avais déjà fait un cadeau il y a 10 ans. Moi? Et je l'ai jamais reçu. Oh, c'était à l'époque, où tu étais à Europe 2, bah oui, Laurent. Et je t'avais promis quoi à l'époque? Tu m'avais promis une cassette que je... Et tous les matins, attends, je guette le facteur et jamais, une cassette jamais je l'ai quoi reçu. Alors là, je ne me souviens plus exactement, ça fait tellement longtemps. Alors Valentin, je t'envoie une cassette de n'importe quoi parce que tu te souviens même plus ce que je t'avais promis. Plus... Attends, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Valentin, plus deux places de théâtre. C'est pas mal. Plus l'album du Gaufret, voilà. Plus un livre formidable que Alain Bougrain-Dubourg vient de sortir. Oui, magnifique. Alors là, je suis preneur parce que je suis animateur nature et j'aime beaucoup ce que c'est. Je voudrais avoir en main. Présente ton livre, Alain. Dis le titre. Il fera mieux. Curieux de nature. C'est Curieux de nature. C'est un très beau livre qui illustre les relations. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un note ce que j'offre à Valentin pour pas que dans 10 ans il vienne m'afficher en disant que j'avais reçu? Honte sur toi, Laurent. Tu vois, je suis déçu. Non, mais j'assume tout. Valentin, et je te couvre de cadeaux, de bisous, et je vais venir chez toi pour te sodomiser. Valentin, je te montre au micro le bouquin d'Alain Bougrain-Dubourg. D'accord, je le vois très bien d'ici. Il est pour toi, et je mettrai un point d'honneur à ce qu'on t'envoie tous les cadeaux, et la semaine prochaine, tu rappelles, et je te couvrirai de cadeaux. Je suis moi-même couvert de honte, et je veux réparer cet outrage. À la semaine prochaine. S'il te plaît. Je l'ai bien niqué, le gamin, ça fait deux fois. Oh, Valentin, on t'embrasse. Ah, celui-là, tous les 10 ans, je le baise. Alors ça, oh non, Valentin, on s'occupe de toi. C'est une horloge suisse. Hein. Je t'offre le bouquin d'Alain Bougrain-Dubourg. Ouais, il est très beau, ce bouquin. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir en main le dernier album du Gaufret? Et est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, écouter un extrait de l'album du Gaufret? Hugues, tu fais partie du patrimoine, ça sent le sapin un peu quand on a ton degré de notoriété. Et en même temps, tu es très jeune, tu es très vert, tu cours après les filles comme un lapin, tu es ce qu'on appelle un chanteur qui vit la bite à la main, n'ayant pas peur des mots. Oh, l'interview. Exactement, pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais ce qui est vrai, c'est que je suis très vivant. Et que ça ne va pas durer, me dit. Je ne réalise pas du tout...
Mon âge, mais je te l'ai dit. Tu sais, tu imposes ta jeunesse aux gens. Quel âge vous avez ? 102. Quel âge vous avez ? 78. Oh là là, il est incroyable. Il monte bien, je crois. Quel est ton secret ? Tu ne fumes pas, tu bois du vin ? Je bois de temps en temps, mais pas par excès. Quelle est ta fréquence coïtale ? Régulière, très bonne, très bien. Mais attends, attends, on peut espérer quoi? Aucun problème. Florence, aucune aide. Pas de Viagra, rien. Non. Florence, tu n'aimes pas qu'on te parle de sexe frontalement. C'est pas très intéressant quoi pour les gens, tu vois. En revanche, si on parle de sexe par métaphore, là, si tu es plus cliente, ton ascenseur est tout petit. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est vrai. Ton ascenseur est tout petit. Ah ouais, comment tu sais ça? Ah, l'ascenseur, oui, mon ascenseur est tout petit. Et en même temps, c'est une métaphore sexuelle. Mon ascenseur est tout petit. L'ascenseur, ça permet de monter, de grimper, et il est tout petit. Mais comment tu sais que mon ascenseur est tout petit? Mais tu l'as invité. Appelle-toi, c'est partout dans 73. Non, non, il n'est jamais venu chez moi, mais mon ascenseur est tout petit. Bon, c'est souvent vrai. Je rentre Paris, que mon chien et moi. Ma fille, elle ne rentre pas dedans. Tu as un accident. Enfin, le couffin, elle rentre pas dedans. Elle monte à pied. Bah, je la descends à pied. Tu es tombé dans un fossé à Lyon. Tu as un accident. J'ai eu un accident, oui, avec ma 205 Junior. Oui, j'allais le dire, Junior. Ah, oui. Quelle couleur ? Blanche. Blanche. Comment ça s'est passé ? Ben, j'étais dans le brouillard et je suivais la ligne blanche, parce qu'on ne voyait rien, mais j'ai suivi pas la bonne. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le dis, hein, dans le brouillard, il faut suivre celle du milieu. Et moi, j'ai suivi celle de droite. Et à un moment, évidemment, la route finit par bifurquer. C'est alors con, c'est con, comique. Car tu rétablis, mais c'est y très y con, comique. En même temps, ça peut être utile. Tu as sauvé ton chien de la noyade dans la piscine. T'as sauvé. Mais qui t'a dit tout ça? T'as sauvé les chiens. Oui, mon chien, il est tombé dans l'eau. Oh, il est tombé dans l'eau. Je le sauverais partout. Je le sauverais. S'il tombait n'importe où, je sauterais. C'est Ardisson qui lui fait ses fiches. Tu sais, incollable. Non, il est mieux qu'Ardisson. Et c'est pas cool que Brigitte vienne demain, sans déconner. C'est pas une semaine qui commence bien. C'est ma meilleure copine, elle vient demain. Comment tu sais, t'as appelé mon mec en fait? Non, ma mère, ma grand-mère. Non, c'est cool quand même. Ah bah oui, c'est ma meilleure amie. Et enceinte, des gens que tu connaissais pas, ils touchaient ton ventre. Oui, ça arrivait. Mais ça, c'était gênant parfois. C'était très énervant. C'est énervant parce que c'est quand même une atteinte à la vie privée. Ouais. Des hommes te pénétraient alors qu'ils n'étaient même pas ton mari. Tu disais non, c'est gênant et tout. Ils faisaient des allers-retours, des va-et-vient. Non, c'est pas très très cool. Pourquoi tu choisis toujours des restos pourris quand tu vas? T'as pas la main verte pour. C'est mon mari, t'as eu. Non, ton mari est parti. Je te laisse la surprise. Merci, tu verras ça en rentrant. C'est vrai que je suis nulle pour choisir des bons restos. Faut pas vouloir sortir avec moi parce que je suis nulle. Demain, 9h, n'oublie pas, Veto. Ouais, t'as eu mon mec, toi. Non, tu n'as plus de demain, mec. Vétérinaire. Non, c'est important, le vétérinaire. Tu meurs au nez. On va l'opérer. Tu montres ton nez et tu dis au nez. Non, c'est pas un nez. Un museau. Les bulldogs anglais. Tu adores ton chien. Pourtant, c'est l'image que tu peux donner au grand public. Si les gens savaient. Que ? Si les gens savaient comment tu te comportes avec tes chiens. Allô ? Oui. Oui, bonjour, vous êtes un élevage de bulldog anglais ? Oui, c'est ça, oui. Bonjour madame, je suis Gilbert Moignon, je suis le bras droit de Florence Foresti. Oui. Et je rentre en contact avec vous parce que Florence voudrait racheter un bulldog anglais. Oui. Alors, je voudrais savoir quels sont les tarifs que vous pratiquez ? Alors, je les vends, donc mâle et femelle confondues, 2200 euros. D'accord. Est-ce que vous faites une reprise sur l'ancien ? C'est-à-dire ? Ben, est-ce que vous faites une reprise sur l'ancien bulldog ? Elle cherche à replacer le sien ? Ben oui, elle veut prendre du neuf pour pas avoir de problèmes d'entretien, de santé. Pourquoi pas ? Il n'a jamais eu spécialement de problèmes de santé. Bon, il a tout le train arrière bloqué. Ah ouais, donc oui, bah, donc moi ça m'intéresse pas. Donc, mais je sais pas ce que c'est comme on s'y attache quand même. Oui, mais enfin vous savez, elle c'est surtout pour les photos et les affiches. Et... Bah je veux dire après, on sert pas d'un chien pour faire piquer quand on en a plus besoin. Quoi. Ben quand les photos sont faites, madame. Bah, mais je veux dire, c'est un animal, quoi, c'est un être vivant. Bah oui, c'est un animal, madame, c'est comme ça qu'elle le traite, comme un animal. Bah écoutez, je vais quand même essayer d'en parler quand même avec mon ami, parce que bon, ça va, je sais pas... Oh, je pense qu'après ça, vous n'aurez plus d'amis, madame. Bon, ce que je vous demanderai, madame, c'est de pas en parler autour de vous, il y a quand même... Ce sera pas très bon pour l'image de Florence, d'accord ? Mais si le grand public savait que c'était une salope, ce serait pas bon pour son image. Oui, dit comme ça, c'est sûr. Ah bah, faut être une chaîne pour faire ça, madame. Ça, je vous le confirme. Je vous dis waf waf. Ok, bonne soirée. Au revoir. C'est con, hein. Vous démentez après. Mais non, mais je te dis, toi tu mets des années pour te construire une bonne image et nous quelques minutes pour te la détruire. Tel est donc le mécanisme du lapsus. Mon point de vue me permet d'expliquer par le même mécanisme les cas du troisième groupe. Je n'ai qu'à admettre que la seule différence qui existe entre mes trois... C'est terrifiant, d'accord, c'est secondé, alors, reprends la voix, vous avez entendu ce que j'ai dit. Thierry. Oui. Bonjour. Quelle est ta question, Thierry? Je voulais savoir si Florent avait du mal à venir au contact des Attends, fans. Déjà, est-ce que au tu as du mal à venir? À venir au contact de quoi? On s'en fout. Des fans.
Oh, mais c'est n'importe quoi. Florence, est-ce que t'as du mal à venir? Tais-toi, fais-lui répéter la question. D'à venir où? Au contact des fans. Pour signer des autographes, des choses comme ça. Alors, j'avais pas de mal du tout avant, maintenant je... Tu n'aimes pas les gens? J'adore les gens, mais j'ai plus de mal qu'avant. On t'embrasse, Thierry. Bisous. Ok, salut. Ni allô, ni bonjour. Je rajoute 435 000 euros. 435 000. Et moi, 3,50 euros. Allez, soyons fous. C'est beaucoup d'argent. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est Laurent Baffie au téléphone. Oui. On est sur Europe 1. Je suis avec Florence Foresti. Et on vous appelait pour jouer au ni allô, ni bonjour. Et vous avez dit bonjour. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? Bah, tu as rajouté l'argent. Donc, on a été à 2 182 203,50 euros. Pas trop déçu, Jean-Claude? Non, franchement, non. Hein. Vous n'aviez pas besoin d'argent en ce moment? Non, c'est tout ce qu'il faut. Bon, vous connaissez Florence Foresti? C'est la comique, là? Ouais. Oui. Je vous la passe, vous n'aurez pas tout perdu, Jean-Claude. Allez, ça va. Mais Jean-Claude s'en fout. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, comment allez-vous? On vous dérange, là, complètement, non? Non, pas du tout, hein. Je suis en train de manger, là, je suis en train de faire un petit rôti. Allez, venez à Marseille, hein. Je suis bienvenu. Vous êtes à Marseille, Jean-Claude? Oui, c'est ça. Alors, tous avec moi. PSG. Ça va pas ou quoi, là, oh, non, mais c'est quoi, tu vas nous l'énerver, il va tourner son rôti. Pas du tout, il Jean-Claude. Va brûler. C'est quoi le slogan marseillais? Paris. Jean-Claude, vous n'avez pas tout perdu. On va vous offrir des places de théâtre pour quand vous viendrez à Paris. On va vous envoyer un DVD de Florence Foresti, des livres comme s'il en pleuvait, et de l'argent liquide et un coupé sport. Mais il y a deux trucs qui sont faux. À vous de trouver lesquels. À l'avenir, quand on vous appelle, ayez le réflexe, ni allô, ni bonjour. Ah, allez, ça va. Okay. D'accord. Mm-hmm. Paris. On t'embrasse. Bisous. Ah. Allez, l'OM. On reprend l'émission jusqu'à midi avec Laurent Baffie. Ça s'appelle Arrêtez tout, ça va trop loin. Hein. C'est le titre aujourd'hui. On est avec Florence Foresti, Hugo Frey et Alain Bougrain-Dubourg. Odette. Oui. Odette, tu as appelé la semaine dernière. Oui. Tu es devenue notre mascotte, Odette. Paraît-on. Quand on t'entend, tu fais. Oui. Tu as un accent, tu es d'où, Odette? Picardie. Tu avais gagné quoi la semaine dernière? Des places de théâtre, je Est-ce crois. Que tu les as reçues? Oui, parce que ma fille promet. Et tu vas gagner quoi cette semaine? Je sais pas. Et si on te faisait gagner le livre d'Alain Bougrain-Dubourg et le disque de Hugo Frey, ce serait pas le plus beau jour de ta vie? Trop long. Bon, merci. Trop long, Odette, faut plus rappeler là. Trop long. Bah écoutez, faut mieux être franche, c'est pas le plus beau jour de ma vie. Bah ça fera partie des trois plus beaux jours de ta vie, peut-être même tu le mettras en deux. Peut-être pas. En trois? Non, je crois pas. C'est ce qui lui manque exactement. Non, c'est ce qu'elle a en plus. Odette, ta question. C'est très drôle, mine de rien. Elle est jolie. Alors ma question c'est, est-ce que Florence regrette la province? Ce que je regrette, c'est que toute ma famille et mes amis sont restés là-bas et que oui, c'est un petit peu... Enfin, t'as quand même Brigitte qui vient manger demain. Heureusement qu'ils viennent un petit peu à moi. Mais non, je ne regrette pas la province, mais j'ai besoin d'y retourner. Odette, rappelle-nous la semaine prochaine avec une autre très bonne question. Tu regagneras deux places de théâtre. Tu iras voir trois fois la même pièce. On va faire des cadeaux expérimentaux avec toi. Gros bonjour, bisous. Merci. Au revoir, Odette. À dimanche prochain. Florence, il y a longtemps qu'on t'a pas mis la honte, qu'on t'a pas mis mal à l'aise, qu'on n'a pas envoyé un sujet qui donne une mauvaise image de toi. Il y a quelques minutes. On en a un autre. Avant? Ben oui. Quand t'as pas de place, tu fais quoi? On le sait, Florence. Quand j'ai pas de place? Ben tu te mets dans la rue et tu vas chez toi prendre ton bain. Et les gens, ils klaxonnent. Tu racontes. Ben tu te crois toute permise, ma pauvre enfant. On a une preuve. Excusez-moi, hein, c'est parce que c'est la voiture de Florence Foresti en plein milieu. J'en ai rien à foutre, moi. Elle emmerde tout le monde. Ah, je lui ai dit, monsieur, je suis son assistant. Je n'irai pas voir son spectacle. Alors. Attendez, je vais l'appeler deux secondes. Allô, Florence? Ouais, c'est moi, dis-moi, il y a plein de monde qui attend, t'emmerdes tout le monde dans la rue. Hein. Ouais, mais sors de ton bain, putain. C'est inadmissible, hein. Dépêche-toi, tu te rinces, tu te sèches, tu t'habilles et tu descends. Voilà, elle arrive. Eh, hey, passez là-bas. Je vous le passe, je vous passe, monsieur, Florence. Allez, dites-lui. Mais quel droit vous emmerdez tout le monde, là?
Donnez, je vais chercher les clés. Il y a une voiture qui est là au milieu de la rue, on peut pas passer. Eh, non mais vous êtes... Oui, j'appelle la police. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Un peu, là. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que c'est la voiture de Florence Foresti. Mais je m'en fous, moi, que ce soit la voiture de Florence Foresti. Moi, ça m'était complètement égal. Non, mais elle arrive. Elle arrive. Mais elle arrive d'où? Attendez, je l'appelle. Merde, à la fin. Ouais, Flo, oh, c'est moi. Vrai. C'est moi, il y a une dame qui est pressée. Bah oui. Ouais, bah dépêche-toi, sors de ton bain, sors de ton bain, dépêche. Oh, la barbe. J'en ai rien à faire, moi, de faire. Oh, attendez, je vais chercher les clés. Merde. Foutre du monde. Comment? J'ai pas entendu. Elle se fout du monde. Mais je vais chercher les clés. Oui, mais dépêchez-vous un peu. Bon, bah, elle est dans son bain, deux secondes. Connasse, alors. Oh, c'est nul. Il a pris des risques, Rémi Cassia, parce qu'il a mis la rue à feu, à sang, et tout le monde voulait te détruire. C'est chiant, hein. Moi, je me bats. Je me bats. J'étais contre cette idée au départ. C'est nul. Finalement, je me suis laissé convaincre. Est-ce que tu le fais avec tout le monde, pas qu'avec moi? Bien avec sûr. Avec, non, avec tous les invités. Ce n'est pas la seule carrière. Là, il monte et à la fin, tu dis, ah, c'était un gag, un repas, machin. Bien sûr. Incroyable. Bah, faut pas dans ce cas-là. Là, on a les gens. Tu verras tes spectateurs, des gens qui enfin, vont. Enfin, au moins, ça montre que la voiture rend complètement con et. Ah, bah oui, ça c'est clair. Hein. Mais moi, j'aurais fait pareil à leur place. D'où vient le mot voiture? La voiture, ben, ça vient du latin, c'est comme véhicule, hein, c'est pareil. Ouais. Ça vient de véhicule? Oui, oui. Enfin, c'est la dérivation du même radical. Hugo Offray. Offray. Variante Alfred, Offred, Offredo. Et pas si Freddy, attention. Offray, Offray, E-T. Tout ça, ça vient d'un prénom germanique magnifique qui est Adalfrid et qui veut dire noble, Adal. Et Frid, c'est la paix. Frit, c'est la ça paix. Dire, la noblesse. Et Anal, c'est pacifique. Noble. Mais d'autres, tout ça. Ah, mais oui, c'est comme ça. Et alors, en plus, cerise noble sur le gâteau, il se prénomme Hugues, qui vient du latin Hugo Hugonis, et qui aussi est un mot germanique. Et le germanique Hugues veut dire intelligence. Ça, ouf, comme quoi, ça, c'est quand même pas mal. T'as pas la grosse tête. Yeah. Bravo. Ah, bravo. Oui, allô? Oui, bonjour, Hugo Offray? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Hugo Offray. Oui, bonjour, oui. C'est Hugo Offray. Oui. Vous vous appelez Hugo Offray? Oui, c'est moi-même. Oui, ben moi aussi, je m'appelle Hugo Offray. Bataille. Alors, c'est votre vrai nom, Hugo Offray? Oui, bien sûr, oui. Ben, on imagine qu'il n'a pas choisi ça comme pseudonyme. Hein. Hugues, c'est Laurent Baffie au téléphone. Comment ça se passe au quotidien? C'est un avantage de s'appeler Hugo Offray ou un inconvénient? Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'avantage non plus. Mais il n'y a pas parfois des tables qui se libèrent au restaurant quand vous donnez votre nom? Non. Vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis mécanicien. D'accord, dans quel secteur? Dans le domaine du poids lourd. D'accord. Mmh. Et vous ne profitez pas du tout de votre homonymie? Non. Hugues, mais... on va vous envoyer le dernier disque de Hugues Offray. Oui, c'est gentil. Et des places de théâtre. Et puis, bon. On vous embrasse et on vous dit à bientôt à l'Olympia. Vous y serez le 19, le 20 et le 21. Vous vous rappelez, Hugues, vous serez là quand même? C'est important pour les gens qui ont acheté leurs billets. Oui. Vous aurez votre guitare? Ouais, j'ai déjà essayé, mais c'est pas facile. Hein. Vous pouvez nous fredonner Santiano juste comme ça, juste pour nous? Je chante très mal. On y va. Allez. C'est un fameux trois mains. Et après, je sais plus. Bah, aide-le-toi. Fin comme un oiseau, oui c'est haut. Santiano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être maintenant. Merci Hugo Offray. Vous êtes à la radio, Hugues. Beaucoup de représentations excellentes. Merci. Vous êtes sur Europe 1. Cependant, les psychiatries et le psychiatre respectable et éminent. Je me rappelle le dernier cas qui s'est présenté dans ma pratique médicale. C'est Hugo qui lit l'introduction à la psychanalyse de Freud. Il n'arrête pas. Moi, j'ai parié que c'est pour ça qu'il voulait rester avec Carla. C'est uniquement pour les lapins. Claude Jette arrivera à la tête. Tellement. Et Batia nous interprète le club des cinq. Florence, tu avais un coup de gueule à pousser. Ah bon? Oui, rappelle-toi. Tu as dit, moi, prochaine fois que je suis à la radio, je pousserai un coup de gueule. J'en profiterai pour dire ce que j'ai sur le cœur. Et bah, tu as une libre antenne, un micro ouvert. Oh, putain. C'est maintenant, Florence. Et croyez-moi, ça va dépoter. C'est con. Non, non, mais on m'a demandé. Non, mais d'abord, scandaleux. Il faut savoir. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça te, on m'a demandé un coup de gueule, machin. Alors, j'ai cherché. Mmh. Alors, ça va paraître réac et tout, mais tant pis. Hein. Bon, il y a un petit truc qui m'énerve en ce moment, c'est les clips vidéo. De R&B, tout ça, de rap, et l'image que ça véhicule de la femme, tout ça, j'en ai super marre.
Et c'est surtout le dernier clip là, il paraît qu'il est le premier en téléchargement en ce moment. Tout le monde l'adore, tous les gosses l'adorent. C'est le clip de 50 Cent et Justin Timberlake qui s'appelle IO Technology. Et les paroles, c'est juste she wants it, I'm gonna give it to her. Ça veut dire elle en veut, je vais lui en donner. En même temps, il y a une logique. Voilà. Et ouais, voilà, ça se tient, c'est cohérent. Tout, lui, hein. Mais vraiment, ça devient. Voilà, et il paraît que les petits garçons regardent ça, il paraît que les petites filles regardent ça. Les petits garçons, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, et les petites filles, elles se disent, il faut vraiment que je sois une salope pour exister. Voilà. Donc, c'est très bien. Moi, j'adore cette musique-là, etc. Mais je veux pas que ma fille, tu vois, il y a pas besoin d'avoir de l'instinct pour penser ça. Il suffit d'avoir de l'amour pour nos enfants et pas que de l'instinct. Pour alors c'est super bien artistiquement, c'est vraiment très bien fait, mais. Mais non, mais ça véhicule un truc bizarre. Voilà, et le clip, il est vraiment, c'est du porno déguisé. Et les paroles sont gravissimes, et les garçons ne sont pas les seuls à être en cause, parce que les filles jouent le jeu aussi. Et le dernier disque de Britney Spears, ça s'appelle Give Me More, donne-moi plus, j'en veux plus. Et c'est aussi pathétique. Pourtant, elle a morflé déjà. Hein. Ouais, elle a déjà bien morflé. Mais oui, mais c'est dire que les filles obéissent aussi à ce truc-là, et voilà. Comment tu vas réagir quand toi-même on va te retirer la garde de ton enfant pour manque d'instinct maternel, hein, on a déjà, c'est imparable, c'est dans les dossiers déjà. Comment tu appréhendes ce moment, ça t'angoisse un peu, ou tu vas te raser la tête, même pas, tu je vas. Je réponds pas, non. Même pas, non mais attends parce que je vais passer pour une vieille conne avec des histoires de clips. Donc c'est très beau tout ça, mais il faut juste avoir l'intelligence de dire aux jeunes filles qu'il y a d'autres moyens d'exister que de se mettre en culotte et de dire j'en veux plus, tu m'en donneras plus. Bravo. Laure. Bonjour tout le monde. Bonjour Laure. Tu fais quoi alors? Tu fais la vaisselle? Non, je suis en train de profiter de la belle journée de ce matin. Je suis en train de sortir sur ma terrasse. Là. Alors, trop bien. Laure, j'imagine que comme tout le monde, tu as regardé le match hier. Non, justement, je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé? Et non. Je reviens vers toi tout à l'heure. Non, mais c'est très bizarre ce match parce que. Donc, il y a un disque Cocorico. Donc, il y a un disque Quel dommage. Ouais. On ne sait plus à quel sein se vouer. Comment tu as vécu ce match? Écoute, je ne sais plus quoi en penser. On n'a pas démérité. Je suis tiraillé. Ah, oui, mais alors, ce score est bizarre, non? Oh, c'est étrange. On va y réfléchir. Hein. Hugues, qu'est-ce que tu as pensé de ce match épique? Est-ce que tu es content du résultat déjà? Je suis bouleversé. Non, mais le sport a gagné. Oui, le sport, c'est le sport qui gagne. Je sens vos réactions en demi-teinte. Le rugby a gagné parce qu'il a gagné à être connu. Et là, c'est maintenant. Florence, le rugby, un peu trop, il est moins bien que moi. Je déteste le sport, j'en ai rien à voir. Oui, d'accord, moi aussi je déteste le rugby. Mais là, c'est un tel enjeu. T'as regardé, ton mec a regardé. Par contre, ils sont très beaux. Non, mon mec s'en fout aussi. En ce qui concerne, pour ainsi dire, leur dimension. Il y a des rêves très courts qui se composent d'une image ou de quelques rêves. Elle sort sans bruit sous ses couvertures, faire habiller, l'enfile sans pile. Elle chante, c'est pas le propos. C'est pas le propos, on est d'accord. Hugo contre Batia, hein, là. Hugo, il a gardé le constant. Hugo, nous rendre compte. Hugo, c'est fini. C'est une drogue dure, il faut décrocher. Hugo, je crois que tu as gagné. Florence me le confirme, tu es le grand vainqueur du Mister Chat. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, hein. Est-ce que tu as déjà un téléphone, Hugo? Oui, mais un deuxième, ça serait très bien. On t'offre un chocolate LG, un très beau téléphone. Tu vas enlever des gonzesses avec ça. Bah, ça serait génial, ça. C'est fait. La joie de vivre est communicative, Hugo. Mais attends, il sort du feu, là. D'avoir bien lu, on est bien fatigué. Alors là, tu vas boire 3 litres d'eau et tu vas dormir 4 jours, c'est normal, Hugo. François est tendu dans son lit, attend le signal de son oncle. Batia. Batia, c'est fini. Tu as gagné 10 places de théâtre pour 5 spectacles différents. Yeah. Mado, j'espère que tu notes tout ça. J'aurais pas que les gens me rappellent. Dans 10 ans, on te rappelle. Dans 10 ans, pour m'insulter. Ouais. Tu as gagné le livre d'Alain Bougrain-Dubourg. Tu as gagné 2 places pour l'Olympia, car tu vas l'inviter à l'Olympia. C'est complet. Ouais. Non, mais ce que je peux lui proposer, c'est qui vient de sortir, c'est la première biographie me concernant, qui sort aux éditions Carpentier. Et je vais demander aux éditions Carpentier de t'en faire passer. C'est un très beau. Ce qu'on appelle un beau livre. Tu vois, Batia, quand ça veut pas sourire, il y a des jours avec et des jours sans. Et Florence, ton DVD, mais tu as sorti combien de DVD? Tu vas pas lui offrir un DVD, tu vas lui offrir 2 DVD. Ouais. Et moi, je vais faire en sorte que tu sois le plus beau filet garni qui n'ait jamais été gagné, Batia. Bah, merci. Bravo, Batia, c'était très bien. Batia lisait le Club des 5. Florence, merci pour ta gentillesse. Merci pour ton investissement. Je sais que tu as beaucoup préparé cette émission. Tu t'es recueillie pendant 2 ans de préparation. Absolument. Avec un coach. Absolument. Et je pense que tu t'en es bien sortie.
Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? Écoute bien. N'oubliez pas notre répondeur 01 42 32 11 11 et puis le site internet europe1.fr hein, pour joindre Laurent Baffy et éventuellement participer à cette émission. Merci à tous. Merci au public. Hugo Frey, Alain Bougrain-Dubourg et Florence Foresti. Alain Ray, Eline Schreier. Ah oui, vite, ça me Mais tu n'as jamais eu l'instinct maternel. Ça n'existe pas, Laurent. Ça s'appelle l'amour. L'amour. C'est ça le mot que je cherchais. Je crois que ça suffit comme ça.